Étienne Duberger, animation 3D, synthèse d'image. Je suis enseignant et également coordonnateur du département. Quand on vient étudier au Cégep de Matane animation 3D et synthèse d'image, on vient vraiment suivre une formation solide. Je cherchais un programme après avoir travaillé en France, déjà dans le domaine de 3D, en Amérique du Nord, et je me suis dit que le Québec, c'était une belle opportunité. Moi, depuis que je suis toute petite, j'aime vraiment beaucoup ça, l'animation, les films, tout faire vivre des personnages. J'ai choisi le Cégep de Matane, surtout parce que c'est un des précurseurs dans le domaine. Je suis une grande fan de Disney, j'ai toujours voulu voir l'envers du décor et savoir comment c'était fait. C'est une foule d'ateliers puis une foule d'activités qui vous mettent la main dans la pâte directement puis dans le concret, tout comme on retrouve dans un milieu professionnel. Autant que vous allez aller dans un fond vert faire des effets spéciaux, autant à un moment donné, vous allez faire des ateliers au Cédrin en motion capture. Ça, c'est le fun. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans là, pour que ça se réalise. Là. Ça commence dès la première année. La région de Matane et la Gaspésie, c'est une très belle région. Ça offre un très beau contraste entre les terres et la mer. J'aime le petit côté plus campagne. Je suis un gars qui aime la nature. Fait que Matane, c'est vraiment une bonne place pour moi, pour ma créativité. La culture québécoise, elle a beaucoup d'aspects qui sont positifs et beaucoup d'aspects que je trouve qui se rapprochent de la culture française. C'est un milieu, l'animation 3D puis la synthèse d'image, qui est très, très compétitif. C'est justement pour ça qu'on veut leur fournir les outils nécessaires à avoir des connaissances techniques très, très, très fortes puis bien calées pour justement, quand ils arrivent dans ce milieu-là, ils soient embauchables aisément. Ce que je vise beaucoup, c'est les films et de travailler pour une entreprise justement d'animation 3D. Avoir ma propre compagnie de jeux vidéo. J'aimerais bien faire de l'architecture ou travailler dans les cinématiques de jeux vidéo ou dans la publicité. J'aimerais vraiment ça travailler pour une grosse boîte, que ce soit des jeux vidéo ou des films. Ce serait vraiment un de mes rêves. Tout ce que je rêve, c'est d'avoir mon nom un jour sur une affiche de film. On va au-delà de simplement dispenser un enseignement. Il y a vraiment une implication de notre part puis un souci de les voir réussir puis cheminer là-dedans avec succès.